pourquoi toujours attendre d'être au pied du mur pour enfin entendre la voix du futur? 7 milliards aujourd'hui et 10 demain, nous occuperons toute la terre. Est-il bien raisonnable que l'humain toutes les autres vies enterre? Pourquoi toujours attendre d'être au pied du mur pour enfin entendre la voix du futur? Vivre à crédit et travailler moins, c'est le rêve d'une génération. L'euro aujourd'hui est mal en point et les marchés en rébellion. Pourquoi toujours attendre d'être au pied du mur pour enfin entendre la voix du futur? En moins de 2 siècles, avoir consommé toutes les énergies fossiles, quand il a fallu des millions d'années pour former ces trésors fragiles. Pourquoi toujours attendre d'être au pied du mur pour enfin entendre la voix du futur? Laisser se former et ensuite éclater une longue série de bulles. Subprime, internet et immobilier, bonheur puis malheur de ceux qui spéculent. Pourquoi toujours attendre d'être au pied du mur pour enfin entendre la voix du futur? Dictateur en sursis renforce l'oppression, exploite les damnés de la terre. Mais des peuples entiers font leur révolution et abattent les chars aux lance-pierres. Pourquoi toujours attendre d'être au pied du mur pour enfin entendre la voix du futur? Courir constamment d'une urgence à l'autre, tout pour la crise aujourd'hui. Alors Kyoto, Durban ou tout autre, on voit les politiques qui s'enfuient. Pourquoi toujours attendre d'être au pied du mur pour enfin entendre la voix du futur? Peuple de gauche ou peuple de droite, à l'avenir, ayez la vertu de ne pas rejeter la voie étroite qui donnera à nos enfants le salut. De ne pas rejeter la voie étroite qui donnera à nos enfants le salut.